CA de la Société d'histoire de Sainte-Catherine, là, avec d'autres personnes aussi qui sont ici, là, encore, entre autres Daniel, puis d'autres. Ça fait que c'est ça. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir que vous soyez aussi nombreux. Et puis, j'aimerais savoir, en partant, combien est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont des descendants d'Irlandais? Wow, OK. Donc, sans tarder, je vous présente Daniel. Daniel, là, ce que j'en connais, ça fait un an et demi, bientôt deux ans, qu'il est dans la Société d'histoire sur le CA. Puis, c'est quelqu'un, là, qui fouille partout, hein? Ben, fouiller pour trouver des informations. Puis, en trop, puis plus il en trouve, plus ça devient intéressant. Puis, en plus, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il aime ça, partager ça avec les autres. Ça fait que si vous êtes intéressé, comme moi, je suis intéressé parce que je suis dans la Société d'histoire depuis le début, là. Donc, on va être avec de fêter notre cinquième année là, d'existence. Ça fait que, c'est ça, lui, en fouillant, bien, il a découvert plein d'affaires, puis c'est ça qu'il va vous présenter ce soir, là. Donc, je lui cède la parole tout de suite. Et moi, je vais m'asseoir. Je vais revenir à la fin. Test one, two, okay. Right. Alors, bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Mon nom est Daniel Stewart. Mes ancêtres sont venus s'établir ici vers 1830. On va en parler un peu plus tard. Ainsi que d'autres ancêtres, vos ancêtres. Et puis, vous allez voir, au fil du temps, on va commencer vers le début de la colonie. Et on va se rendre jusqu'en 1949, là où Sainte-Catherine a été scindée en Shannon, en Fossambeau, en la Saint-Joseph, etc., etc. Mais je ne dépasse pas ça parce que ça, c'est l'histoire d'un autre chapitre. Je pourrais vous parler ce soir aussi pendant 6 heures de temps, puis je n'aurais pas fini. J'ai tellement de choses à vous dire. J'aimerais que vous gardiez vos questions pour la fin, pour garder le rythme. Et puis ça va me faire plaisir de répondre aux questions si je peux y répondre. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Alors, les Irlandais sont arrivés ici vers 18. Il y en avait, il y en a eu d'autres avec la colonie, la Nouvelle-France. Mais en général, à Sainte-Catherine, la majorité des Irlandais sont arrivés vers 1820. Ce que j'ai pris comme image, c'est ce qu'on appelle un shanty, une maison dans laquelle les gens vivaient à mi-chemin sur la terre. Et je vais y revenir sur les shanties parce que je pourrais faire une présentation uniquement sur ça. Mais c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Ça donne une idée de la forêt, que ça pouvait avoir l'air un abri de fortune. OK. Alors, l'histoire de la seigneurie commence avec Alexandre Peuvret de Menu, sire de Goudorville, en 1693. Et la concession de la seigneurie de Fossambeau en l'honneur de sa mère, Marie-Catherine Nau de Fossambeau. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'époque de la Nouvelle-France. Tout le système seigneurial est établi par le roi de France et les seigneuries sont allouées à des gens connus, à des gens que le roi recommandait. Ignace a marié Marie-Catherine, Peuvret, et a hérité des seigneuries Goudorville de Fossambeau. En 21, le fils d'Ignace, Michel-Louis, développa le territoire en invitant les immigrants irlandais à venir s'établir dans les concessions non exploitées. Qu'est-ce que ça veut dire? Les concessions non exploitées, c'est les Français s'étaient établis à Saint-Augustin et s'en venaient par ici. Alors, les Canadiens français, pour appeler ça, les Québécois aujourd'hui, les Canadiens français à l'époque, étaient dans Saint-Augustin et ça s'en venait à Sainte-Catherine tranquillement. Et le Seigneur voulait développer la seigneurie de Fossambeau, mais ça prend du monde pour faire ça. Alors, il a décidé que on va éviter les Irlandais, il y en a beaucoup, puis vous allez voir, selon les statistiques, il y en avait beaucoup d'Irlandais. Mais au début, il n'y en avait pas tant que ça. Alors, le seigneur a des obligations, il doit habiter la seigneurie dans une maison, il doit être présent, il doit avoir un moulin, d'autres structures, des ponts s'il faut, des choses comme ça, les chemins. C'est toute la responsabilité du seigneur. Alors, le seigneur va se gêner avec cette obligation-là envers ses personnes. Il fait venir les Irlandais. Il leur dit, bon, écoutez, on va vous établir dans les lots, les concessions. Ce qui n'est pas facile, parce qu'imaginez-vous, en 1820,
Vous êtes dans la ville de Québec, vous arrivez en bateau. Et vous êtes dans une ville. Demain matin, je vous dis, je vous donne une hache, une scie, un baril de l'or salé, un sac de farine, puis je vous donne dans le parc de Laurentides, puis allez vous établir. C'est pas vrai ça. Quand vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans la ville, pas loin, 25-30 000, les gens viennent ici et c'est des pionniers. Alors, ça devrait être spécial d'arriver dans un endroit comme ça, de dire, bon, ben, je pars d'un autre pays, j'arrive à Québec, ou par les États-Unis, ça peut arriver. Et là, je dois défricher, me bâtir une maison et survivre dans ça. Alors, le régime semi-féodal de Nouvelle-France, on en a parlé un petit peu. Les gens qui avaient les terres que le Seigneur leur donnait s'appelaient des censitaires. Elle est devant la terre, remplissait un document, l'agent des terres faisait ce travail-là pour le Seigneur, et ensuite on leur donnait un location ticket, c'est-à-dire un papier pour le cadastre. Les gens ne s'établissaient pas nécessairement immédiatement. Des fois, il y avait la paperasse, il y avait le terrain, mais ils arrivaient juste un an plus tard parce qu'ils voulaient se ramasser de l'argent. Les gens débarquaient du bateau, allaient travailler sur les quais, sur la rivière Saint-Charles, bâtir des navires, travailler à la New Liverpool à Lévis, construire des navires, ou aller couper du bois. On va y revenir. Alors, ce qui arrive, c'est que ce soir, ils ont leur location ticket et ils ont des obligations. Ils doivent faire des redevances au Seigneur et faire des corvées pour le Seigneur. Ça peut être un, deux, trois jours par année, dépendant. Quand ils vont vous l'aider, chaque 14e minot de grains de farine est donné au Seigneur. Alors, c'est en fait 13, c'est vous, le 14e, c'est au Seigneur. En 54, le régime seigneurial, c'est terminé, on pense. Ce qui arrive, c'est que là, en 54, le gouvernement a dit, ça suffit, c'est fini le régime féodal. Les gens vont devenir propriétaires de leurs terres, ils vont devenir cultivateurs, et ça va se passer comme ça. Sauf que des gens devaient de l'argent au Seigneur. Ils n'avaient pas payé leur scène. Alors, ça a continué. Le gouvernement a décidé que ça ne pouvait pas continuer comme ça éternellement. Donc, on va passer une loi que vous allez faire des paiements au Seigneur pendant un certain temps, comme un loyer. Et des gens ont payé ces loyers-là jusqu'en 1970. À certains endroits, oui. Ça peut-être pas des grosses sommes, mais il y en devait. Et j'ai connu une personne qui a vécu ça. Il était obligé de payer pour le Seigneur, payer le Seigneur. Alors, c'est curieux, mais c'est pas parce qu'une loi a changé que tout arrête. Vous allez voir, comme, des fois, là, c'est beaucoup d'argent que les gens devaient. Alors, on passe à l'autre. Alors ça, si vous êtes de Sainte-Catherine, vous savez probablement que c'est le manoir de Chaigné, qui est juste ici en haut de la côte. Et c'est Mme Dick qui demeure là. Et belle seigneurie avec les ruines du moulin, les ruines du chauffeur à grain. Et puis, c'est ça, c'est une belle propriété. On a eu la chance de visiter l'été dernier. Et puis, c'est vraiment, vraiment beau. Le moulin banal, ce qu'on appelle le moulin à grain, le moulin banal, et le séchoir à grain. Alors, le seigneur construit le moulin banal et le séchoir à grain. Et ici, à Sainte-Catherine, l'eau est activée par la sortie de Ottarenzi, qui est vraiment la Saint-Joseph de Rivière Ottarenzi, tombe dans leur quartier. Et le moulin avait trois étages à l'époque et abritait le meunier avec sa famille. Il y avait un poêle, j'ai vu les vestiges de ça chez Mme Dick, le poêle des forces de Saint-Maurice chauffait le grain. Alors, il chauffait le poêle, il y avait une genre de tôle en haut. Et une plaque. Il mettait le grain sur ça et le grain était chauffé avant de le moudre. Donc, d'où l'expression le grist mill et le grain kill. C'est ça que les Irlandais mangeaient beaucoup de porridge, de gruel, comme vous voulez, hein, de l'avoine. Et puis, c'est sûr et certain que les gens autour ont été porter leur grain là pour le faire moudre. Et tous les habitants étaient tenus de faire moudre leur grain à ce moulin-là et à aucun autre. Ils ne pouvaient pas en construire eux-mêmes non plus. Parce que le Seigneur avait tous les droits. Il pouvait même racheter la terre s'il voulait. Ça, c'est les ruines du moulin. Sur la seigneurie, ici en haut de la côte. C'est un terrain privé, donc on ne peut pas accéder à ça sans permission. Mais Mme Dick a fait refaire les ruines avec les moyens, les subventions qu'elle a eues un peu.
Et puis, malheureusement, je n'ai pas de photo du séchoir à grains, mais ce sera pour la prochaine présentation. Bon, terre en friche. Les Anglais appellent ça « wasteland ». Si vous passez à terre en friche, vous partez de l'ouvrage Jacques-Cartier et vous montez jusqu'au parc des Laurentides. Ça, c'est les terres en friche. C'était la forêt pure et simple. C'était 39 000 de superficie. C'est assez grand. Ça incluait le lac Saint-Jean, le lac Saint-Joseph. Et c'est la rivière au pain, on continue, le lac à l'île, etc., etc. Il y avait d'autres seigneuries autour. Il y avait la seigneurie de Val-Belair, la seigneurie des morts, Saint-Augustin. Godardville, Neuville, Beaulouis et Saint-Gabriel-de-Cartier. Alors, Sainte-Catherine-de-Fossambault était complètement entourée par ces seigneuries-là. Sauf au nord, où c'était la forêt vierge. 12 concessions. Les gens s'imaginent qu'il y avait peut-être 6-7 concessions, peut-être. Non, non, ça montait jusqu'à 12. Je dirais que le 10-11-12, c'était plus la forêt et l'industrie du bois. Les boulins, transporter le bois, l'amener au chemin de fer, etc. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, si on regarde aujourd'hui, ce que la seigneurie couvrait, c'est Shannon, Lac-Saint-Joseph, Fossambault et Sainte-Catherine. Et une grande partie de la base militaire. C'était énorme. Énorme. Bon, on commence l'immigration irlandaise. Là, on a des grandes terres. Le Seigneur veut peupler ses terres. Il dit, bon, en 1719, 13 000 immigrants arrivent à Québec. Ça, il y a des Écossais, des Irlandais, un petit peu de tout. Il en arrive 40 000 après, c'est dans les 4 années qui ont suivi. De 19 à 25, il y en a eu 78 000, mais ce n'est pas tous des Irlandais. Deux tiers des immigrants qui débarquent au Québec, de 1815 à 29, se sont dirigés vers les États-Unis. Pourquoi ils ont fait ça? Ils sont venus à Québec, les tarifs pour embarquer sur les navires étaient moins chers que d'arriver à Philadelphie, à Boston ou à New York. Ça coûtait plus cher. Alors, ils venaient au Québec, montaient le Saint-Laurent, s'entendaient dans le Haut-Canada, en Ontario, procédaient vers la Philadelphie ou New York, Vermont, ces places-là, mais c'est à cause de l'argent. C'est la seule raison. Mais ces gens-là avaient des familles aussi, et souvent, les familles disaient, ben, venez-vous-en, on est dans le Haut-Canada, restez pas au Bas-Canada, venez-vous-en au Canada. Il y a une raison pour ça. De 29 à 37, il y a eu 155 000 immigrants irlandais. Fait qu'imaginez-vous aujourd'hui, là, si vous comparez que la ville de Québec avait 10 000 personnes à cette époque-là, incluant les Britanniques, incluant les francophones, incluant les Irlandais qui étaient déjà là. Vous apportez 155 000 immigrants dans une ville qui arrive comme ça, sur les quais, à Basile. Ouais, ça n'a pas encore la grosse île à ce moment-là. Ça commençait la grosse île. Alors, c'est beaucoup d'Irlandais, il y a les Québécois, les Canadiens français ont mis très peur de ça. Ils ont dit, on se fait envahir. Les Irlandais vont nous envahir. Ce qui a sauvé la donne, c'est que les Irlandais étaient catholiques. Ils se sont intégrés facilement avec les Canadiens français. Donc, ça n'a pas créé de problème comme tel. Et les Irlandais avaient le même sentiment envers les Britanniques, ils n'en avaient pas. Alors, on va arriver aux raisons des départs. Si on regarde en 1947, hein, il y avait des douzaines de navires, avec 14 000 Irlandais qui attendaient là, pour rentrer vers Québec, passer par Grosse-Île, etc., etc. Alors, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'immigrants. C'est sûr qu'il y a une partie qui s'en va aux États-Unis, une seule partie qui s'en va dans le bout de Toronto, l'Acuron, tout le secteur du Haut-Canada, mais quand même, il y en a qui sont restés. Alors, petite image de gens qui sont sur les bateaux et qui s'en viennent. Ces bateaux étaient des bateaux de bois. C'était des bateaux qui charriaient des bois pour la guerre napoléonique. Et puis, Napoléon avait mis un embargo, puis question d'avoir de bois. Alors, ils ont dit, papa, ben, on est Britanniques, on va venir chercher du bois ici. Alors, ils sont venus chercher leur bois. Et quand ils étaient là en Angleterre, ils déposaient leur bois dans les chantiers navaux. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que là, en revenant, c'était vide. Il a cherché du bois ici, mais le navire était vide. Quelques provisions, mais il y avait quand même vide. Alors, ils ont eu l'idée, ben, on a des immigrants. Mais ce n'était pas des navires adaptés pour les immigrants. C'était pour charrier du bois.
Alors, on mettait des immigrants irlandais dans la cale et on disait, on se reverra au retour à Québec. Ça marchait comme ça, c'était assez spécial. Mais au début, c'est un peu moins pire parce que les gens qui venaient ici, souvent, ils payaient leur passage eux-mêmes. C'était pas des gens extrêmement pauvres. Je vais vous parler d'un volcan en Indonésie en 1815, on dit que ça va bien avec les Irlandais. Ça a beaucoup à voir avec les Irlandais. En Indonésie, ce volcan-là a fait éruption, a affecté la planète pendant des années. Et puis, ça a commencé par l'Asie, l'Europe, et ça a amené des périodes de changement climatique incroyables. Et ça a affecté les Irlandais, et d'autres personnes aussi, mais on parle des Irlandais qui sont venus ici. Ça donne des raisons pour venir ici. On va voir ça. L'année sans été, 1816. Il y a vagues de froid en Europe, en Amérique du Nord, même en Asie. Des gelées. L'année sans été, c'est très dévastateur pour les semences, pour les récoltes et tout ça. Il a plu pendant 8 semaines en Irlande. Le typhus est arrivé. 100 000 personnes sont mortes. En Irlande, là, il n'y a pas 25-30 millions de personnes à cette époque-là en Irlande. 100 000 personnes, c'est un gros morceau de la population qui disparaît. À Québec, tempête de neige au mois de juin, des calèches, la neige jusqu'aux aciers. Au mois de juin. Alors, si vous dites que les changements climatiques, ça ne s'améliore pas, c'est sûr, mais à cette époque-là, le volcan avait créé le même sorte de problème. Les ponts de glace, ça gelait bord en bord, faut traverser. 30 cm de neige le 6 et le 10 juin 1816. Fait que vous êtes en pleine récolte, là, les semences et tout ça, vous travaillez sur vos terres, puis neige, 30 cm. Méchant problème. Pourquoi les Irlandais ont émigré vers le Bas-Canada? Plusieurs raisons, on pourra en discuter une soirée de temps, mais il y avait l'épidémie du choléra et d'autres épidémies en Europe à ce moment-là. Il y avait les guerres napoléoniques. Il y avait des guerres dans d'autres pays. Quand c'était pas avec la France, c'était avec le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, etc., etc. Il y avait des guerres de colonisateurs aussi. Ces pays-là voulaient avoir des choses qui ne pouvaient pas se partager entre pays. Persécution religieuse. Il faut comprendre l'histoire. Quand les Anglais ont conquis l'Écosse, ils ont vidé les terres quand Cromwell a pris l'Irlande. Ils ont pris les Écossais, ils ont sorti de leurs terres, ils ont mis dans les terres des Irlandais, dans l'Irlande du Nord. Et là, les Irlandais ont été cassés de leurs terres, de leur gagne-pain, de leur vie finalement. Alors là, vous avez des Écossais qui sont pauvres, leur terre est prise par la haute bourgeoisie. Ils sont envoyés en Irlande, prennent la terre des encore plus pauvres. Et là, ces gens-là finissent par être, c'est tous des Écossais qui finissent par être des Irlandais. Mais des Irlandais protestants, ou Church of England, Church of Scotland, dépendant. Et vous avez les Églises catholiques qui sont en majorité en Irlande. Donc aujourd'hui, vous avez l'Irlande du Sud, l'Irlande du Nord. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors quand Cromwell a envahi, il a pris possession, ils ont enlevé les Irlandais catholiques de là, il a mis les Écossais à leur place, et le temps passé. Les Irlandais ne pouvaient pas faire plusieurs choses. Ils ne pouvaient pas avoir accès aux institutions sociales et gouvernementales. Ils ne pouvaient pas voter. Ils ne pouvaient pas siéger sur un gouvernement quelconque. Ils ne pouvaient rien faire de ça. Ils voulaient devenir propriétaires terriens parce que la plupart louaient des terres, devaient un cens à leur seigneur ou baron, peu importe. Ils voulaient fuir la famine et le choléra parce que les problèmes de... Il faut dire que la population à cette époque-là, leur principal... problème, c'était est-ce qu'on va être victime d'une pandémie ou d'épidémie? On ne peut pas se défendre contre ça. Tout le monde avait peur de ces maladies-là avec raison. Et puis, les gens se disaient, bon, on va se sauver, on ne restera pas ici. Devenir propriétaire terrien, accès aux institutions sociales et gouvernementales, rejoindre leur famille et amis, on appelle ça le remittance en anglais, passage payé par ceux déjà vendus. Alors, on vient ici, on s'établit, on fait un peu d'argent, on commence à bien aller. On envoie de l'argent en Irlande, on dit à sa sœur, son père, sa mère, peu importe, voulez-vous vous en venir, venez-vous ici, la vie est meilleure qu'en Irlande, avec raison. Et puis,
En 21, la récolte des pommes de terre fut détruite par les pluies incessantes. Alors, si on voit dans les années 20, 21, le volcan, la guerre napoléonique, en tout cas, un paquet de raisons, vous avez beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, les gens veulent s'éloigner de ça et ils entendent parler qu'il y a une meilleure vie ailleurs. Alors, les immigrants arrivent, en principe, à Québec. En passant les registres d'arrivée des Irlandais cherchaient la peau, ils ont brûlé deux fois à Québec. Je peux en parler, j'ai cherché longtemps. Alors, c'est difficile de trouver l'arrivée des Irlandais ici à Québec. Qui étaient ces immigrants? Je n'ai pas trouvé l'équivalence en français, cottier. Cottier, c'est quelqu'un qui loue un arpent terrain, paye un loyer au seigneur ou peu importe, en Irlande. Ça veut dire vous avez un arpent pour vivre votre famille. Puis en plus de ça, il faut payer un loyer. Imaginez-vous, là, vous avez une famille, il y a des enfants, puis vous avez un arpent pour un jardin, des poules, tout ce que vous voulez faire. C'est pas beaucoup. Ça, c'était des cottiers. Les ouvriers agricoles, c'était des gens qui étaient salariés. Ils ne possédaient rien. Agriculteurs de subsistance et propriétaires terriens. Il y en avait des propriétaires, il y avait des gens qui avaient des fermes. Mais la loi de la succession à cette époque-là disait vous devez diviser votre ferme selon vos garçons. Alors, si on avait cinq, la terre est divisée en cinq. Quand il meurt, ce fils-là, il divise en cinq. Là, vous avez des terres qui ne valent plus rien. Là. C'est grand comme ici. Alors, là, ça devient très difficile. Alors, les jeunes veulent s'en aller parce que c'est pas tenable. Vous avez des forgerons, des tisserands, des commerçants. Ça, il n'y a pas de problème. Les gens avec des métiers. Les tisserands sont venus parce que, éventuellement, ça a été remplacé par des machines. Mais les indigents, il y en avait beaucoup. Les poorhouses étaient complètement pleins. Les gens, surtout dans le temps de la famine, les gens n'avaient pas absolument rien. Ils couchaient sur le bord du chemin. Ils allaient au poorhouse pour se faire nourrir. Il y avait d'anciens militaires. Ça, il y en a eu qui ont eu des terres, mais ils ont vendu tout de suite. Il y en a qui sont venus ici avec la conquête. Il y avait des régiments avec des Irlandais. Les Irlandais sont arrivés, ils ont vu les terres, ils ont dit c'est pas mal difficile. Je vais demander ça à mon lieutenant. Là. Voulez-vous, donnez-moi un montant d'argent, puis bye-bye. Alors, il y en a qui ont fait ça. Il y en a qui sont restés. Ensuite, vous avez les loyalistes. Il y en avait environ 2000 qui sont venus au Bas-Canada. Ce sont des gens qui sont partis des États-Unis lors de la révolution américaine, qui n'étaient pas d'accord avec ça, qui étaient fidèles au roi William d'Angleterre. La majorité, je pense, des 14 000 sont allés dans le Haut-Canada, Toronto, tout l'Ontario. Mais il y en avait 2 000 au Bas-Canada. On ne sait pas combien il y en a ici à la ville de Québec, dans le coin. Il doit en avoir. Donc, juste une petite parenthèse, le roi d'Angleterre, à ce moment-là, il s'appelait William. Donc, son petit nom, c'était Billy. Et quand la révolution américaine est passée, puis il y a eu beaucoup de problèmes, les loyalistes se sont sauvés des États-Unis et sont montés vers le nord des États-Unis, vers l'Ontario, et ils se sont cachés dans les Appalaches et les Laurentides, et dans les montagnes, d'où le nom Hillbilly, c'est-à-dire des gens qui supportaient leur roi Billy, qui se cachaient dans les montagnes. Alors, ça vient de là. Les premiers pionniers. Alors, ils doivent se rendre à l'agent d'immigration. Alors, quand ils arrivent, et l'agent d'immigration leur donne une série de directives. Faites pas ci, faites pas ça, faites attention aux arnaques, donnez pas votre argent à n'importe qui. Et ensuite, on leur dit quoi faire pour les terres, qui aller voir, et puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bâtissez-vous une maison proche d'un ruisseau, proche de l'eau, dépêchez-vous à planter des patates parce que vous allez avoir faim, etc., etc. Quand ils sont arrivés, ils sont allés au moulin banal de Saint-Augustin. On parle de 1820. Ils ont couché au moulin. Le lendemain, ils ont marché avec leurs effets personnels jusqu'ici. Et là, avec leur certificat de localisation, les location tickets, ils sont partis vers les lots. On leur a dit, bien, votre lot, il est là. Voici votre hache, votre baril d'or salé et farine, mais arrangez-vous votre lot. Alors, ça commence comme ça. Défrichage, construction d'un abri doit se faire très rapidement. Vous arrivez, dépendant, si vous arrivez au début de l'été, c'est pas pire. Vous arrivez à l'automne, dépêchez-vous. On recommande de semer des patates et trouver une vache, ça presse. Mais une vache, ça prend du foin, du fourrage pour ça. Et les Irlandais qui sont venus à cette époque-là, ce qui est curieux à dire, ils savaient lire et écrire, ils parlaient le gaélique.
qui n'a pas toujours été le cas après, là, avec la famine. Il y avait des gens qui sont arrivés, qui étaient illettrés. Pardon, excusez-moi. Alors, le climat d'Irlande est océanique. La neige et le gel sont très rares. Et les hivers sont très doux et humides. L'été, c'est frais. C'est pas chaud. Il arrive ici, il faut laisser les étés, les hivers du Québec. Il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait chaud. Puis quand il fait froid, il fait froid. Alors, ils doivent surmonter plein de choses qu'ils n'ont jamais vues. Puis, il y a de neige, la fonte des neiges au printemps, les chaleurs d'été, des 38-40 degrés, peu importe. Résister aux insectes. Quelqu'un qui vit par ici connaît ça. Les maringouins, les brûlots, etc., etc. Se protéger des animaux sauvages, ça paraît simple. Mais si vous avez vécu dans ce coin-ci, proche des forêts, un ours, c'est très fréquent. On parle de puma, un cougar. Le dernier qui était vu à Shannon, c'était en 62. Il y avait un couple sur Wexford, à part ça. Alors, vous protégez ces animaux-là. Ils viennent tuer votre vache, ils viennent tuer vos animaux, vos poules, peu importe. Ça fait des faucons, des aigles. Il y a toutes sortes d'animaux qui vont s'attaquer à votre gagne-pain. Petite parenthèse, M. Griffin, Jackie Griffin, avait sa vache à côté de sa maison, dans la personne court, un yard. Et un jour, il y a un ours qui est sorti, il a cassé le dos de la vache, de suite. Alors, c'est pas quelque chose d'inédité, c'est pas quelque chose qui date de 200 ans, ça date des années 50-60.